Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, non pas Soccer Star, mais sur deux jeux en particulier. Je me suis dit, tu vois, qu'on pourrait éventuellement, là maintenant, lancer une partie de deux des jeux, justement, je pense, deux des meilleurs jeux sur Android qui se basent sur ce type de concept. Vous voyez, en fait, sinon on ressemble tous à mon avatar à moi, tu vois, on est tous identiques, on est tous pareils. Voilà, là maintenant, on rentre dans la matrice, c'est un peu spécial. J'ai l'impression qu'il fait du surplace l'hélicoptère. Donc on testera celui-là, on testera l'autre, parce qu'il y en a un autre. Ah ouais, ok, c'était normal. Parce qu'il y en a un autre, est-ce que c'est moi qui décide de quand je saute? Oui, c'est moi. Je vais aller vers l'hélicoptère. Parce que l'hélicoptère, je me dis... C'est un hélicoptère de l'armée, tu vois. Donc logiquement, dans un hélicoptère de l'armée, on trouve des armes. Ça me semble logique. Plus que dans une maison de civil. Et ça dépend. Est-ce que sommes-nous aux États-Unis? Si on est aux États-Unis, oui. Pourquoi cette flèche m'indique d'aller par là-bas? C'est quoi le délire? Donc le concept, on l'a. Alors ce que je trouve pas pratique, c'est que là, vous le voyez, ce bouton-là, pour moi, est mal situé. Je pense qu'il y a moyen, hein, il y a moyen de corriger le truc. Mais pour moi, ce bouton est mal situé. Pourquoi? Alors on se retrouve dans le parachute, plus au même endroit, parce que voilà, je sais pas, ça a bugué, j'étais déconnecté. Ah, il y a lui là, pas loin, ok. Ok, ok, je crois qu'on va aller au même endroit, toi et moi. Non, tu sais quoi? Ouais, il y arrive avant moi. Ok, comme il met du temps à réfléchir, je vais y aller vite fait, hop. Faut trouver les armes avant lui. Aïe, 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 attends, on va aller là. Vas-y, est-ce qu'elles sont là? Ah putain, j'espérais qu'elles soient là parce que le mec est monté. Si ça se trouve, je pense qu'elles sont au-dessus. Et du coup... non. Vas-y. C'est quoi? Merde, c'est pas une arme. Ok, donc lui, là, il s'est caché. Il s'est dit, il y a peut-être quelque chose là. Il a trouvé la même chose que moi. Bon, j'ai rien trouvé. Relou cette baraque. Putain, tu pourrais pas mettre au moins un petit truc? Attends, peut-être que c'est dans la cave. Donc là, il y a le mec qui était avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es déprimé ou quoi? Eh mec! Ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Allez, viens, on y va. Donc, on a l'arme, mais on n'a pas les munitions. Ok, donc je dois trouver des munitions. Alors, des munitions pour cette arme, je suppose. J'ai compris. Parce que... Alors, j'ai trop compris. Oui. Parce que j'ai cru ton truc, je peux même vous donner des explications. Ok, donc j'ai une flèche, là, qui m'indique sans doute où trouver mes munitions. Oui. Oui, je suis d'abord qui va. Je crois pas que ce soit ça, la flèche rouge, là, elle sert pas à ça, mec. Sachant qu'il y a un mec qui nous tire dessus, là, depuis tout à l'heure. N'importe quoi, c'est dans ta tête, ça. Un hélicoptère? Ça aussi, c'est dans ta tête, je crois. L'ensemble est dans ta tête. Il y a des voitures aussi. Ah merde, il y a un mec là-bas qui va aussi. Tant mieux, en fin d'action, ouais, ça fait du bien, là. Ok. On ouvre. Ça fait flipper, ça. Tu vois... Oh merde, merde, merde. Je passe à côté de lui. J'ai rien pour frapper, putain. Je fais quoi avec une arme? Je peux même pas taper avec? Enfin, je sais pas, dans la vraie vie, t'as une arme. T'as pas de munitions. Il y a un mec face à toi. On raconte pas sa vie. Tu restes pas là comme un con, hein. Tu mets un gros coup avec ton arme. Ok, tu peux pas rentrer, il y a une bordure. Il y a une bordure d'un centimètre qui t'empêche de rentrer, tu la vois ou pas? Voilà, fais un petit saut. Qui a programmé ce jeu? Ouais, c'est bon, tu la joues pas joueur du grenier, quoi. C'est un peu mort, je trouve. On se fait un peu chier. Non, à peine. Je voudrais pas dire, mais voilà. Il y avait une flèche tout à l'heure, elle est où? Donc je suis là tranquille avec mon arme. Personne m'attend là. Ok. La porte est ouverte. Méfie-toi. Quelqu'un est déjà dedans. Ça tire par ici. Ça tire. Faut prendre tout ça. Allez, vas-y, vas-y. Prends, 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 prends. Prends tout, prends tout. Admettons que le truc rouge, c'est quelqu'un là-bas. On va tester. Ah, c'est un fusil à pompe. Ok. Bon. Là, c'est pour le corps à corps, donc du coup, viser de loin là-bas, ça sert à rien. On va protéger cette baraque, elle est intéressante. Il faudrait noter cette baraque. Dommage que je puisse pas taguer dessus. Bon, ça tire. Mais où? Putain, dans ce jeu, en fait... Ah, ok, ok, ça y est, ça y est, ça y est. Eh, mais le mec, il arrive à me toucher. Il croit que je vais faire le tour de l'autre côté. Alors que non. Ah, c'est bon, il m'a eu, ok. Ok, ok. Bon, bah voilà, on a fait la première, enfin une manche sur ce jeu-là. On va aller tester l'autre pour voir. Et donc, le second jeu, lui, c'est Grand Battle Royale.
Un peu dans le même style, hein, apparemment, puisqu'il s'agit d'une histoire de battle royale, etc., etc. Allez, joue. Alors, c'est la première fois, hein. Alors, si je me gourre dans les menus... Donc là, comme dans l'autre, je pense qu'on est dans la zone... Alors, oula, attends. À jouer, c'est plus chelou. Bah, les armes sont placées au même endroit. Ok, donc là, on part de l'avion. On va aller sur notre île qui a l'air d'être là-bas. Allez, parachute, c'est parti. Donc, on va aller vers quoi? Cet immeuble-là, il m'a l'air bien. Il y a un hélicoptère qui s'est écrasé dessus. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Non, ça m'a pas l'air. On se casse, on va aller visiter la maison à côté, là. Ah! C'est une maison de criminels. C'est bon, ça, il doit y avoir des armes dedans. Putain, je peux pas rentrer. Ok, donc on va aller ailleurs. Là, on va aller dans cet immeuble. Oh, j'entends le bruit d'une arme. Il y a quelqu'un qui a déjà... Oh, Dieu, c'est lui. Il est là. Où est-ce qu'il a trouvé son arme? Merde, merde, merde! Ah! Il m'a vu, barre-toi! Ah, on va vite se cacher. Ah! Il est revenu de l'autre côté. Putain, je peux pas rentrer quelque part, là? Putain, tout est fermé. C'est quoi le délire? Ah, putain, il est là. Hop là. Non, mais les mecs, ils connaissent déjà les endroits où faut aller chercher les armes. Ok, j'ai pas le choix, faut que je trouve un truc ouvert et faut que j'aille dans un truc ouvert. Et en plus, le mec, il court, voilà, il a des jambes droites, quoi. Il a pas de genoux, donc il peut pas plier ses jambes. Attends, c'est quoi, ça? C'est quoi? Mais c'est une arme! Allez, hop! C'est bon, on a une arme. Donc là, je me laisserai plus faire. Oh, une batte. Il était où, le gars? J'entendais pas, ils sont derrière moi ou pas? Moi, tu sais quoi, je vais faire le tour par l'autre côté. Ah, il y en a un, là. Ils sont deux, ils sont deux. Il y en a un qui tire sur un autre mec. Vas-y. Hop là. Merde, merde, merde. Merde, merde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain. Ok, on l'a eu. On prend tout, hein. Voilà. On va passer entre les baraques, là, ici. Tranquillement, discrètement. Hop, hop, hop. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Ah, mais j'appuie, j'appuie. Là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Appuie. J'appuie? Pourquoi? Putain. Eh, au téléphone, franchement, c'est dur, hein. Mais... Ah! C'est... Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Bon, j'avoue, c'est... difficilement jouable. Oh merde. Oh les salauds. Comment ils ont pu te faire ça? Il y a un mec qui me tire dessus, je sais pas où il est. Non, mais c'est quoi? C'est un virus qui s'est propagé. C'est un truc de ouf. Ah, mais il y a de l'acide par terre, les mecs, faites gaffe. Oh non, ils ont carrément tué le médecin. Le super médecin. Ils ont tué le président. Ouais, je suis président. Ok. Ouais, ici, nous voyons tous les cadavres avec du sang à l'intérieur, alors que c'est censé être hermétique. C'est pas en tissu, normalement, ce truc-là. L'hôpital. Ah, mais putain! Il y a un mec qui campe, il se cache quelque part, et dès qu'il me voit, il me tire dessus. Je sais pas où qu'il est, mais lui, il sait où je suis. Donc, lui, il est par là. Merde. Où est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il sera revenu sur le côté? Quoi? Alors, j'ai pas bien compris. Il y a une histoire de zone, je pense, qui doit se rétrécir au fur et à mesure, sans doute. Mais je n'ai pas bien compris cette partie-là. Voilà, j'aurais essayé les deux jeux qui ressemblent à Battle Royale, le film, et qui donc, tu sais comment ça se passe, quoi. Et puis voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, les gens, et kiffez la vie parce qu'elle vous kiffe. 26 minutes, waouh.